absolue de la pomme, parce que nous avons franchi une étape du combat que nous sommes en train de mener. Je vais ouvrir ce chapitre des discours pour passer la parole à quelques leaders du Front National pour la défense de la Constitution, parce qu'ils ont un message fort, ils ont un signal fort à lancer à l'endroit du régime dictatorial qui est en train de s'installer en Guinée. Mais bien avant, permettez-moi de reconnaître le travail abattu par la coordination nationale du Front National pour la défense de la Constitution. Faites comme ça. Lorsque je cite un nom, on fait clap, cri. Abdelhamid Sano, Ibrahima Diallo, Fonika Menge, Abdullah Mousso, Mamadou Biloba, Alpha Souma, Badra Kone, Sekou Koundouno, Ismaël Doukouré, Sekou Yaya Diallo, Abdoulaye Kakoz, et ceux qui sont en alarme, qui ne s'affichent généralement pas dans le combat que nous menons. Je vais reconnaître Bobo de Dixine, Dame de Kaloum, Touré de Matam, Madame Si de la Thomas et Soirée de Matoto. Il peut vous arriver de mettre certains noms. C'est l'effet de l'événement que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Merci à tous. Et je vais ouvrir le chapitre du discours pour donner l'honneur à notre camarade de lutte, comme il m'a appelé, l'amiral Sekou Koundouno. Le micro est bien sûr, il passait le micro à Sekou Koundouno pour son... Tout le travail qui a été abattu depuis...
continuez vers mon cher Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC. Le cerveau, un des cerveaux par excellence du mouvement. Citoyens, salut! Alam mané ka moulanfe. Gassa et ka gassata. Gassata. Adime et ka tebe. Adime. Amaleke, on dit que Kulumbase kinye, Kulumbase kinye là. Adafosi. Camarades, salut!
Bravo. Peuple souverain de Guinée, à travers cette nouvelle et grandiose mobilisation, nous venons à nouveau montrer à la face du monde notre farouche opposition face à ce projet de déstabilisation de notre pays. Nous avons gagné avec brio le premier round de notre combat. Avec brio, nous avons mis hors d'état de nuire les foussoyeurs de nos lois de la République. Maintenant, nous fonçons vers le deuxième round de notre combat qui commencera le 13 janvier 2020. J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à mener le combat jusqu'à la victoire? Est-ce que, jeune Guinéen, vous êtes prêts à mener le combat jusqu'à la victoire? Alors, techniquement, stratégiquement et foncièrement, nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Merci, Colonel Fonico. Passez le micro à l'âge de l'île. Après, l'âge de l'île, M. Sano se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السلام والسلام علم كم علم كذا أديب كذا alors je ne parlerai pas en français parce que mes prédis sont déjà reconnus. Thank you.
Merci Elange. Nous nous apprêtons à donner la parole à un grand monsieur qui sera jamais mentionné dans les annales de l'histoire de notre pays. Le grand coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, monsieur Adramane Sallo. Et bien sûr, le micro à monsieur Sallo. Le micro à M. Sallo. Et M. Kassou, encadrer les jeunes dans la société civile. Il nous a toujours dit que ce combat-là, c'est pour vous. Vous devrez donc le mener. Lorsqu'il a été arrêté, on a voulu former une délégation pour aller le saluer. Il dit, si vous continuez le combat, vous maintenez le cap, vous m'auriez rendu visite. Ne vous intéressez pas à me rendre visite, menez le combat jusqu'au bout. Parce que ma personne importe peu, mais l'avenir du peuple, c'est le plus important. Merci, M. Sallo. Vous avez la parole et le peuple souverain de Guinée vous écoute. Parce que l'instant est solennel et l'histoire retiendra qu'il y a eu des gens, des hommes, des femmes, des jeunes qui se sont engagés pour faire en sorte que la Guinée soit un pays de droit et de démocratie. Citoyens, salut. Après des interventions brillantes, je voudrais juste me limiter à dire qu'à partir du 19 décembre 2019, monsieur Alpha Condé, par son discours provocateur, appelant ou informant qu'il va soumettre sa nouvelle constitution au peuple de Guinée, nous devons considérer comme le peuple de Guinée et au nom du peuple de Guinée que ses propos étaient ceux de la déclaration de coup d'état constitutionnel et par conséquent ses propos valaient et simplement un acte allant dans le sens de demander la démission maintenant du président Alpha Condé. Je voudrais donc dire à vous tous ici présents et à travers vous, à tout le peuple de Guinée, qui est le vrai propriétaire du pouvoir public, que dès maintenant, nous sommes en droit de rentrer en résistance conformément à l'aliénat 4 de l'article 21 de la Constitution guinéenne et de nous mettre à combat sans état d'âme, par les moyens légaux que les lois nous investissent. Combattre donc ce pouvoir d'oppression et nous devons le faire pour rendre hommage à nos morts qui n'ont pas hésité d'assassiner, mais aussi pour dire courage à nos frères et sœurs qui sont encore en prison contre Edi Kamerou à Guéguenou, ceux qui sont en prison à Farana, ceux qui sont encore à la maison centrale de Conakry, je pense à M. Karamoko Sina du Rassama et à tous les autres qui sont avec lui incarcérés en justice. Nous serons emprisonnés, nous serons embastillés, nous serons tués.
C'est cela la caractéristique fondamentale de la dictature de M. Alpha Condé. Mais nous devons résister par dignité. Nous devons résister pour libérer la jeunesse guinéenne. Nous devons résister pour arrêter le pillage de notre économie et de nos ressources communes. Nous devons résister pour plus de justice et pour l'indépendance de la justice de notre pays. Mais Alpha Condé n'est pas seul. Il est aussi avec le président de la Cour constitutionnelle qui s'est rendu complice de sa démarche. Il doit démissionner. Ces trois personnalités doivent désormais être dans la ligne de mire de notre combat pour les libérer des bandits qui les prennent en otage pour une simple raison, celle de piller et de continuer à piller notre économie. Mais mettons-nous prêts. La lutte sera longue. Lorsqu'on annonce le 13, ça ne veut pas dire que c'est seulement le 13. Et il n'y aura pas de marche. Il n'y aura pas d'itinéraire. On manifestera. Suivant l'esprit du 14 octobre 2019. Parce que ce pouvoir connaît que les rapports de force. Maintenant qu'il veut pousser son audace pour affronter notre peuple, le peuple lui montrera que le pouvoir, c'est à lui. Ce n'est pas pour les autres que je vous laisse. Merci. Merci. On va boucler la boucle. On va donner la parole à monsieur le président de l'UFDG, le chef de file de l'opposition. De la direction du FNDC, aussi bien le comité de pilotage que la coordination, mais également de tous les leaders de la société civile, du monde syndical et des partis politiques. Nous sommes fiers de vous. Vous avez aujourd'hui encore démontré que les Guinéens ne sont pas prêts à accepter le troisième mandat. Plusieurs raisons. La première, parce que c'est illégal. La deuxième, parce que c'est contraire à la démocratie. La troisième raison, c'est qu'Alpha Condé ne mérite plus d'être au pouvoir. Il a violé de manière récurrente la Constitution de la République. Si la Haute Cour de justice était en place, il aurait été déjà déféré là pour parjure parce qu'il a trahi son serment et il a violé la Constitution qu'il a juré de respecter et de faire respecter. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Il y en a eu plusieurs. Je vais vous donner quelques exemples.
Je veux dire d'abord la Cancan aujourd'hui, lorsqu'on veut aller à Cancan au Bursa, on prend la vie de Mako et on revient à Cancan. Aujourd'hui, les ruptures d'électricité et d'eau dans toutes les villes, malgré les montants colossaux, soi-disant investis, mais qui ont rempli les poches du clan. Alors, mes prédécesseurs l'ont dit, la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. La résistance à la dictature est un droit constitutionnel. Il faut qu'on se mobilise à partir du 13. Nous avons demandé le départ d'un président qui a perdu toute légitimité parce qu'il a violé la Constitution. C'est un combat héroïque, exaltant, épique, qui va être dur, mais la victoire sera de notre côté. Parce que nous sommes avec le droit, nous sommes avec la vérité, nous sommes avec notre peuple qui est assoiffé de démocratie, de paix, d'unité nationale. L'unité nationale qui Alpha malmène en constance. Aujourd'hui, avant de partir, il a instruit les militants de RPG de Cancan pour détruire le siège de RPG et de s'attaquer aux boutiques et magasins appartenant à des gens censés appartenir à l'FDG. Certains n'appartenaient même pas à l'FDG, mais vous le connaissez. Mais nous sommes là, la Guinée dans sa diversité. Nous sommes ensemble pour combattre le tribalisme, restaurer la confiance entre les différentes composantes politiques et ethniques de notre pays pour que la Guinée soit une et qu'elle affronte les défis du sous-développement. Il va toujours vouloir nous diviser en ethnie. Il a considéré que c'est les champs originaires, les cadres originaires de la Haute-Guinée qui sont dans le FNDC, qu'ils ont rejoint l'ennemi. Mais c'est qui l'ennemi? C'est lui l'ennemi de l'unité de la Guinée. C'est lui qui est l'ennemi de la Guinée. Nous sommes en train de combattre ici, unis dans notre diversité d'opinion, d'ethnie, pour que la Guinée soit unie, forte, et qu'elle puisse retrouver sa place dans le concert des nations, et que les immenses potentialités que la Providence a données à notre pays soient exploitées au profit de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Et nous devons rester unis. Nous ne pouvons pas refuser de tomber dans son tribalisme pire. Alpha n'a pas d'autre argument que la tribalisation du débat. Oui, c'était l'ethnie contre moi. Docteur Ousmane Kaba a eu à le dénoncer avec force, et j'étais fier de lui ce jour-là. Les gens, l'ethnie dont ils se réclament, je dis bien dont ils se réclament, n'est pas d'accord sur ça. Les Guinéens veulent vivre unis. Maintenant, comme il n'a pas d'argument, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision, il veut simplement se maintenir au pouvoir, tout ce qui lui vise les Guinéens, il l'utilise. C'est gênant. C'est gênant, c'est pas décent pour un président de la République d'utiliser l'arme de la tribu, l'arme de l'ethnie pour conquérir ou pour se maintenir au pouvoir. Refusons de tomber ce terrain. Restons unis et menons ce combat pour le triomphe de la démocratie, pour le triomphe de l'état de droit, pour la protection des droits humains et pour la restauration de la confiance et de l'unité entre les différentes composantes de notre pays. Nous sommes là, nous resterons autour des valeurs essentielles. Et cela, il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer dans Cancan. Il a détruit complètement le siège de l'UFDG. Il a fait détruire avant le siège de l'UFR. Mais c'est ça le problème d'Alpha. C'est la violence et la ruse. Il n'a aucun programme. C'est le détournement des deniers publics. L'assassinat ciblé de nos militants, de combattants, de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays, plus de 129 assassinats, des jeunes de 12 ans, 13 ans, et qui n'ont jamais voulu accepter qu'une enquête soit ouverte. Le premier conflit entre Maître Sako et lui, lorsqu'il est venu, c'est lorsqu'il a mis une commission d'enquête sur place. Automatiquement, il a refusé que le relevé de conclusion soit signé et la commission a été disloquée. Parce que pour lui, ceux qui sont contre lui, contre ses idées, même quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton appartenance politique, tu n'es plus Guinéen.
Or, nous voulons un président de tous les Guinéens qui va rassembler. Aujourd'hui, la Russie a instauré la haine. C'est à nous de chasser la haine et la violence pour promouvoir la fraternité, l'entente et l'unité autour d'une démocratie apaisée et d'un état droit qui défendra le droit et les libertés de chaque citoyen. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce message fort. On demande à tous et à toutes de rentrer dans le plus grand calme. Le message est compris. Nous restons à l'écoute de l'hérarchie, de les responsables de carré, de responsables de quartier, de responsables des communes, des préfectures. Soit à l'écoute des consignes dictées par la Convention nationale. Merci à tous. Le tournoi continue jusqu'au bout.